Cette contribution financière de la Chine de près de 100 millions de francs CFA remise par son ambassadeur au Congo est destinée en faveur des victimes des inondations des zones littorales du fleuve et ses affluents de plusieurs départements du pays. L'année 2024 est une année charnière, marquée par le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-congolaises. Le vendredi dernier, le parti chinoise et le parti congolaise ont organisé solennellement une réception pour célébrer cette année anniversaire. Le président Denis Sassou Nguesso a assisté personnellement à la réception. À ce moment historique, la parti chinoise fournit un don de 100 000 dollars américains à la parti congolaise pour aider les sinistrés des inondations à surmonter les difficultés. Le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a saisi cette opportunité pour rappeler l'importance de ce don et des relations de coopération séculaire entre les deux pays. Ce nouveau don est un signe fort de l'excellence des relations sino-congolaises. Et la République populaire de Chine fait partie des vrais amis du Congo qui ont toujours su répondre avec promptitude aux appels du gouvernement lors des grandes crises humanitaire. Aussi, nous vous prions, Madame l'ambassadeur, de traduire à votre gouvernement et au président Xi Jinping la gratitude du peuple congolais et de son président, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Actuellement, 9 départements et même